direction de Cuba. Pour faire quoi? Bah qu'on est. Bah qu'on est. Quoi de glace au fait matin là, oui? Dixit, Henri Guerrier. Confirmation. Jean-Bertrand Aristide laisse le pays à 2h. Avion a débarqué. Président va moi-même. Monsieur d'Haïti, bonjour et bienvenue à l'émission Matin Débat. Bonjour Matin Débat. Bonjour monsieur le président, bonjour maître Sidor, bonjour aux invités de matin à tous. Bonjour à Esaïe César, comme tu dis, et puis bonjour à tous les auditeurs, auditeurs, capteurs de nous, toute la formule évidemment. Et bonjour à toute l'équipe technique là, Papa, Orlando, Henri. C'est un plaisir pour nous ensemble aujourd'hui pour nous commenter Ditoyaza qui s'y fait. Haïti, révolution, les flammes menaçantes de M. Barbecue. À partir de titre ça, et puis le texte lui-même, qui ça nous doit faire? Nous doit peur ou bien nous doit être content que demain on va être meilleur? Bon, je pense que nous sommes pour content ou bien pour nous faire. Et il se trouve que M. Barbecue et Jimmy Cherizier, M. Jimmy Cherizier évidemment, et alias M. Barbecue, ils font déclaration hier, 23 juin 2021, et parmi quelques manchettes, et puis avec quelques armes et qui paraît pour cracher du feu, évidemment. Mm-hmm. Et ils font déclaration, ils annoncent la révolution. Et je pensais que M. Barbecue, parce que Matel Marimé, il est M. Barbecue comme chef, mm-hmm. Et il est chef de gang, parce que M. Barbecue sont chef de bande armée, que lié même avec M. Izo, même avec M. Tilapli, et même avec toute l'autre, parce qu'on gang généralement, il n'est pas vraiment mêlé dans ses politiques. Et même ça, aussi, moi, il est là, et il y a bien des chefs politiques, des patrons politiques, etc. Donc en réalité, ce sont des chefs de bande armée. Donc, M. Barbecue, il voulait marquer l'époque client de Après Lee, il voulait passer à la postérité par des actions révolutionnaires. Mm-hmm. Mais alors, ça pour ouais, mm-hmm. Mais c'est que M. Barbecue, il y a un discours politique. Hier, il y a un discours politique, et ça vient aussi tout. Il charge tout revendication sociale, toute revendication sociale, et lui-même fait tous des appels et à la violence, côté le mandé, puis au pilier banquier, pilier maisons commerciaux, etc. Donc, de toute manière, nous connaissons, et ça, M. Barbecue, c'était ancien policier, mais tout son chef de bande armée, c'est lié. C'est pas un enfant de cœur, hein. C'est pas un enfant de cœur, c'est pas un équilibre là pour le chanter, etc., pour montrer que nous docile, etc. D'ailleurs, il y a parlé de révolution, et à travers le monde, nous connaissons des révolutions, et très peu de révolutions qui déroulaient sans effusion de sang. Mm-hmm. Vous parlez de révolution de toute manière, des effusions de sang. Et mm-hmm. c'est ça, pratiquement, M. Barbecue a annoncé hier. Maintenant, dans la déclaration de M. Barbecue, on fait attention, et on parle vraiment, pas vraiment de certitude sur ça, on va dire là. M. Barbecue rappelait l'ancien président Jean-Bertrand Aristide. Ok, qui t'a dit qu'on t'a multiplié la richesse dans le pays, c'est eux-mêmes qui sont responsables de souffrance pour vieux dans le pays. Vous songez, ça, pour le fait que monsieur dit, en fait, que l'ancien président Jean-Bertrand Aristide s'est réexploité, roche dans l'eau, râle, condoulait, roche dans le soleil. Donc, c'est dommage que nous retombions dans le bagage avec monsieur Barbecue, et côté nous, à continuer ce chemin, nous, pour nous tomber dans le coin. Et moi, c'est nous tous qui traînons tête dans le pouvoir, parce que ça arrive là, tout le monde qui réclame tête sur chef dans le pays, il n'y a pas d'homme essayer de rétablir la justice sociale, mais c'est plutôt en vengeance sociale. Là, c'est des gardes en roi, là, nous gardons en roi, et Washington de l'Opral contre nous, les Washington Soleil, ce n'est pas de justice sociale que j'ai, c'est des vengeances sociales que j'ai. Donc, je vous dis, avec M. Barbecue, nous tombons dans le même lobby là, donc nous tombons dans ça, c'est des vengeances sociales là. Et non justice sociale, parce que Washington parle contre les Washington Soleil. Donc, bagaille ça, et tout l'argent qui n'a pas de sur. C'est vous, peuple là, oui. Et entraînant, côté au bon machine, entraînant maison de production, prend tout ça bien net, parce que c'est pour nous, oui, c'est une déclaration, monsieur Barbecue, hier. Monsieur d'Haïti. Qui sont vengeance sociale, qui parle vraiment justice sociale. Oui, DP. Monsieur d'Haïti, est-ce que. Ah, et mettez qui donc. Oui, là, on a tant de déclarations, ça, yo. Est-ce qu'on peut parler de revendications sociales? Là, dans le samedi, dans la vidéo, moi,
Et ensuite, on va tout profiter et répondre ça pour moi tout. Et bon, moi-même, j'ai des problèmes internet, j'ai des problèmes courants, j'ai des problèmes tout bas, honnête. Est-ce que sous téléphone, nous, ou est commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, là, du tribunal de province de Port-au-Prince, et lui émet un mandat, une invitation, bah, qu'on est à M. Cherizier, et pour vidéo ça? Bon, bah, qu'on est, si lui émet une invitation, bah, on a, mais faut pas oublier tout, et M. Babé, que moi, avec recherche, et sur le tout, il y a scatel, son moun y a scatel. Même si son moun y a plané tout partout, son moun y a scatel tout partout. Mais ça, je veux comprendre, parce que je ne veux dire, et c'est vrai que M. Barbecue, chef de gang, même pas vraiment le chef de gang, vous êtes mon chef, c'est bande armée. Euphémisme, M. d'Haïti. Toute l'humanité. Mais dès qu'il donne une histoire, toute l'humanité autour de l'un des chefs de gang, ok, qui comportent en tant que révolutionnaire, ou bien qui réclament en tant que tel. Ok, par exemple, moi, je vais vous rappeler l'exemple en Haïti, mais comme il y a des nationalistes ici en Haïti, des phénomènes qui peut-être ne sont pas d'accord avec, je vais prendre l'autre exemple, par exemple, Patatus, par exemple. C'était un chef de gang, mais qui était réclamé en tant que révolutionnaire. Sinon, on est capable de faire un barbecue, qui doit faire un réseau, qui doit faire un filatrice, qui réclamait tête comme des révolutionnaires. Donc, on va la qui vient faire là, et qui a peut-être fait, mais maintenant, m'a demandé, est-ce que M. Barbecue des moyens politiques? Parce que si vous regardez les vidéos, bon, comme on dit, mais c'est donc qu'il y a des petits problèmes d'internet, des coins électriques, etc., bien, on a peut-être à suivre les vidéos, mais si vous regardez M. Barbecue même dans sa table bio, c'est simplement la phraseologie révolutionnaire. Et pas un sérieux, vraiment, et M. Barbecue, c'est ce qu'on est hier, mais on va mettre tout, c'est un premier pas, et c'est un bon pas. Mais le grand problème, M. Lexidor, qui est-ce qui va rejoindre M. Barbecue, je ne veux dire, pour capable de gagner un projet révolutionnaire? Parce que c'est vrai, on est capable de un discours révolutionnaire, mais il faut nous porter tout un projet révolutionnaire. Et sans bagaille là, M. Lexidor, on va cacher tout ça, parce que personne qui va l'aider, M. Barbecue, dans le cadre d'un projet révolutionnaire. Dans le Barbecue, bien simplement, on fera idéologie révolutionnaire, un discours révolutionnaire, mais par un projet révolutionnaire. Personne n'a pas l'idée, et M. Barbecue, dans le bagage révolution à la palière. Bon, le nom pour ça, ça fait nous dire dans le texte, pour qui ça? Parce que le projet révolutionnaire que nous avons supposé gagner aujourd'hui, nous avons supposé aboutir à une transformation sociale, et par quoi c'est ça Barbecue a fait? Il a supposé tout et aboutir au relèvement économique du pays. C'est pas ça que M. Barbecue a fait. M. Barbecue, il était figé des civils, des manchettes, et puis il a parlé de révolution. Mais c'est pas évident. C'est pas évident du tout. C'est-à-dire, ça nous besoin là, c'est transformation sociale, c'est relèvement économique, et c'est pas pour tout le monde qui a des amis, des manchettes, et puis aussi, on va le faire révolution. Parce que, par exemple, c'est intéressant, tout chef de bande armée, qui s'adonne à la violence, au viol, et au vandalisme des biens privés, en prétendant qu'il s'agit d'une révolution, n'est que révolutionnaire démodé et aérien. Et c'est exactement ça que M. Barbecue est, je veux dire, un révolutionnaire démodé et aérien. Tout le tableau là, vous entendez M. Lecodésir, qui dit qu'il y a des policiers qui ont formation et qui apprennent comment manipuler des drones même. On imagine que les policiers, c'est effectivement des drones de combat, des drones militaires qui vont apprendre à manipuler. À l'ère de la technologie, frère, M. Barbecue, au côté de c'était la saline de l'air et les appels du folion, avec un drone seulement, ils sont capables d'éliminer. C'est facile. Après, on a arrêté là, frère, il y a des petits amis, il y a des petits manchettes, et puis je dois faire révolution. Et puis, et l'on fait comparaison de anciennes déclarations qui étaient un pile monde trouvé qui partisane et dit à un groupe et qu'on y a côté que lui fait une sorte de plongaillé. Et là, est-ce qu'il n'a pas parlé de révolution? Parce que si le révolution, il faut le commencer dès le début à même discours, parce que c'est un discours qui changeait. Non, il n'est pas capable de tout discours. Et pas que M. Barbecue est capable de tout discours. Parce que M. Barbecue, son ex-conscient peut-être de ça, qu'il a fait là, tout comme ils ont, bien M. Tilapuy, au conscient de sa affaire, parce qu'il a vécu en réalité. Et réalité a forgé eux, au conscient, qui a vécu, je ne veux dire, et a pris des décisions. Mais moi, je vous dis ça. Et si M. Barbecue est supposé un révolutionnaire, m'a demandé est-ce qu'il y a un projet révolutionnaire?
Parce que pour qu'on clair tout ça, nous c'est pas des cures hier, nous avons un discours révolutionnaire. Mais pas un projet révolutionnaire. Et qui est-ce qui va le porter le projet révolutionnaire ça? Personne. Parce que dans tant que ça a bougé, je vous dis, mais c'est clair tout ça, dans tant que ça a bougé là, nous avons besoin d'une révolution, évidemment, qui est capable de mener à une transformation sociale. Relève